Shalom, shalom. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour sa bonté et pour sa fidélité. En effet, pendant le culte du dimanche auquel j'assistais à Vase d'honneur, Lausanne, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir un puissant message avec le pasteur Pierre. Il a vraiment eu à cœur de prier pour nous, de prier pour tous ceux qui étaient présents dans le sens de prophétique et de vraiment prier pour que nous puissions avoir des percées dans nos vies. Et à la fin, il a eu un moment vraiment où il priait, il nous imposait les mains. Et je me souviens très bien de ce qu'il a dit quand il m'a imposé les mains. Il a dit des choses tellement importantes, bon, des choses même que je n'imaginais pas, parce que c'est une chose que je ne parlais de ça avec personne et que j'exprimais juste dans la prière, dans la présence du Seigneur. Alors quand il a commencé à dire ces choses-là, comme quoi que Dieu va te bénir, Dieu va te lever, Dieu va te justifier, Dieu va être ton avocat. Ça a vraiment touché mon cœur. J'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais en train de répondre à tes questions que je posais et dont je n'avais pas de réponse. Et j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais au rendez-vous, à ce rendez-vous-là. Et Dieu a profité de ce rendez-vous-là pour me bénir et pour me donner clairement des réponses à ces interrogations que j'avais dans mon cœur, que je n'avais encore exprimées même à personne. Et la grâce de Dieu a fait que la semaine d'après, quand je suis retournée au travail, à une de mes réunions avec mon chef, elle était juste on était dans une réunion et tout comme ça, là, en fait, mon chef me demande en fait si j'aimerais bien avoir un peu plus de responsabilité dans l'entreprise et si j'aimerais avoir un peu plus d'heures et si ça m'intéressait d'avoir un contrat à temps plein, un CDI. Et j'étais vraiment touchée parce que, en fait, ce que le pasteur Pierre avait déclaré était en train de vraiment commencer à se réaliser. Et j'ai juste dit, waouh, le Seigneur est merveilleux, parce que c'était une prière que j'avais exprimée et que j'avais exprimée. Donc, je ne savais même pas que j'avais la foi parce que j'avais exprimé, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Et quand elle a dû commencer à dire ça, j'ai dit, waouh, le Seigneur m'a fait grâce. Et il m'a rendu, il m'a fait grâce, il m'a donné la faveur de mes supérieurs et ils ont exprimé le désir. Parce que dans la même période, ils ont licencié deux personnes avec le même niveau que moi. Mais moi, ils ont décidé de m'élever. Donc j'ai juste rendu grâce au Seigneur. J'ai dit, waouh, le Seigneur est fidèle. Il est vraiment fidèle. Et j'ai regardé toutes les précautions que j'avais, toutes les différentes. Les différents doutes que j'avais par rapport à l'avenir qui arrivait, par rapport aux différentes charges que j'avais encore qui s'ajoutaient, j'ai juste dit, ah Seigneur, ta fidélité est grande. Et je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Pierre qui a été sensible au Saint-Esprit pour entendre sa voix et pour pouvoir obéir. Parce que nous voulions plutôt qu'il nous enseigne, mais il a décidé que non, il va plutôt continuer avec la prédication qu'il a eue pendant la soirée de les soirées prophétiques. Et je rends vraiment grâce au Seigneur parce que j'étais présente en Suisse ce jour-là. Et le Seigneur vraiment a été fidèle, il m'a béni. Et j'ai pu avoir une percée. Donc je bénis Dieu pour ce moment et je bénis Dieu pour la grâce de pouvoir avoir un nouveau contrat, de pouvoir continuer dans cette entreprise-là. Que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse son serviteur, le pasteur Pierre, au nom de Jésus. Amen.